J'espère que vous allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo information sur Rust Console. Et on vient d'avoir des nouvelles informations concernant les prochaines mises à jour qui vont arriver au niveau de l'optimisation des correctifs du Rust et du jeu en globalité qui devraient plus ou moins mieux marcher. Mais avant toute chose, si tu veux être au courant de toute l'actualité sur Rust Console, patch, mise à jour, événements, etc., n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Donc, concernant les informations, on a eu une nouvelle info qui est sortie de Pedro Silva, un des community managers de Rust Console, qui nous a fait un post sur leur Discord pour nous dire qu'il vient d'apporter des nouvelles sur Rust Console Edition. Donc là, je vais vous lire très clairement son texte qui est « L'équipe vous a entendu très clairement et a travaillé dur sur le prochain patch. L'objectif est de résoudre les pires problèmes du jeu afin que chacun puisse vivre la meilleure expérience possible. Naturellement, certains problèmes auront une priorité plus élevée que d'autres en fonction de leur fréquence et de leur impact sur le gameplay. Mais nous essaierons de nous en occuper autant que possible. » Voilà, donc ils vont essayer pour une fois de faire un patch qui marche correctement et qui ajoute vraiment une nouveauté au jeu. Parce que bon, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a un patch, ok, on a 2-3 choses qui sont réglées, mais 4 autres qui apparaissent derrière. Donc, bah c'est pas ouf. Là, ils vont mettre en place ce patch. Il va arriver sur la public test branch, comme d'habitude, qui est testée en avance sur une autre partie du jeu. Et si tout se passe bien, bien entendu, ils passeront sur la version principale du jeu. Mais voilà, donc tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devrait enfin avoir maintenant des patchs, des vrais gros patchs qui arrivent pour que le jeu marche vraiment mieux. Et ensuite, concernant l'événement d'Halloween qui avait été mis sur la public test branch, il nous a été dit qu'il va être retiré dans pas longtemps des serveurs public test branch, car il marche assez bien et donc on ne devrait pas avoir de soucis au moment d'Halloween quand il viendra sur serveur officiel. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de t'abonner, de liker la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, allez, salut.